La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 26 mai 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session du Conseil interministériel du mardi 24 mai 2022, décision du Conseil des ministres, message de Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté principalement sur 4 points. Les objectifs qui sont assignés aux ministres dans le cadre de l'immersion dans les 4 régions naturelles du pays. Au titre du premier point, le président de la transition a insisté sur les objectifs attendus des membres du gouvernement dans le cadre de cette immersion à l'intérieur du pays. Le chef de l'État a expliqué qu'il s'agit dans cette mission de toucher du doigt les réalités socio-économiques de la Guinée et ensuite manifester la réelle et effective proximité avec les populations à la base, et enfin apporter des solutions idoines et visibles aux problèmes de nos concitoyens. À cette occasion, il a mis l'accent sur la bonne communication gouvernementale en prodiguant des conseils. Il a demandé aux membres du gouvernement de s'abstenir des propos et actes de nature à alimenter les clivages politiques dans notre pays et expliquer bien les choses sans déformer ni promettre. Il a demandé également d'avoir à l'esprit que personne n'est ambassadeur ou représentant d'une région dans le gouvernement et que le gouvernement n'est pas dans une campagne politique ou électorale. Le deuxième point de l'intervention du chef de l'État portait sur l'organisation du pèlerinage musulman de cette année 2022 sur les lieux saints de l'islam. Le chef de l'État a exprimé sa grande préoccupation quant à l'organisation du pèlerinage cette année. Après avoir rappelé le nombre de places accordées à la Guinée, qui est de l'ordre de 4 527 places, le président de la transition a instruit le premier ministre, le secrétaire général des affaires religieuses, le pôle financier et tout le gouvernement à s'investir pleinement pour la bonne réussite du pèlerinage 2022. Le troisième point était sur le suivi de l'exécution des travaux des infrastructures dans le pays. Sur ce sujet relatif au suivi de l'exécution des travaux d'infrastructures, le chef de l'État a demandé l'accélération des travaux de finition des voiries urbaines avant les grandes pluies pour soulager les populations de Conakry. Aussi, le président de la transition a exhorté le ministre de l'Énergie à prendre toutes les dispositions pour résoudre les problèmes liés à la desserte en électricité dans les villes de l'intérieur du pays. Le quatrième point concernait le programme d'exécution des droits de tirage spéciaux. Relativement aux droits de tirage spéciaux, le chef de l'État a instruit le Premier ministre de lui transmettre un rapport sur le niveau d'exécution à date. Par ailleurs, le président de la transition a instruit le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le pôle financier du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour apporter le plus tôt une solution aux préoccupations et difficultés des administrateurs territoriaux. Sur la récupération des domaines publics de l'État, le président a invité les ministres de l'Administration du Territoire et de l'Urbanisme à rester dans le contexte ayant justifié la prise du moratoire, notamment l'examen des dossiers au cas par cas et les grandes pluies qui s'annoncent. Compte rendu du Conseil interministériel, le message du Premier ministre chef de gouvernement, M. Mohamed Béabogui, a porté sur les points suivants. Situation générale de l'état du pays à la suite des premiers contacts avec les populations de Labé et de Mamou. Le Premier ministre a noté le fait que beaucoup de services de l'État attendaient de percevoir leurs frais de fonctionnement. Il a immédiatement ordonné que des dispositions urgentes soient prises pour corriger cette situation. Au niveau des infrastructures, les logements de ces hauts cadres de l'État dans les préfectures et régions reste à désirer selon le Premier ministre qui a donc invité le gouvernement à y apporter des solutions urgentes. La récupération des domaines publics de l'État.
le chef du gouvernement a expliqué que même si la décision de suspension annoncée par le CNRD est favorablement accueillie sur l'ensemble du territoire national, l'effort de pédagogie et d'explication doit se poursuivre conformément aux instructions du chef de l'État. Il a enfin terminé son message en félicitant l'ensemble des membres du gouvernement pour la promptitude, le dynamisme et l'adaptation dont ils font preuve dans cette immersion. Il a aussi invité l'administration locale à continuer à faire fonctionner les services publics locaux à travers les contacts permanents avec les cabinets à Conakry. Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfance de cette année. Elle a expliqué que sa communication a pour objet l'exposé des motifs soutenant la célébration du mois de l'enfant en Guinée en 2022. À cet effet, elle a rappelé que depuis 1992, la Guinée consacre le mois de juin de chaque année aux enfants. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger a communiqué sur le cadre triennal de son département. Il a informé des réformes profondes menées par son département, dont le but est de susciter une mutation de l'appareil diplomatique, consolider son action et le doter des outils et moyens lui permettant de contribuer davantage aux impératifs de refondation et de développement de la Guinée. Madame la ministre de l'Information et de la Communication a aussi communiqué sur la création d'une chaîne de télévision thématique dédiée à la jeunesse et à l'entrepreneuriat, en application de la décision du Conseil des ministres du jeudi 19 mai 2022. Madame la ministre a informé que son cabinet s'est réuni afin de soumettre au Conseil les premiers éléments de stratégie que son département compte mettre en œuvre pour la création de la nouvelle chaîne de télévision. Décision. Ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Communication relative à la célébration du mois de l'enfant 2022. Recommandation de décision. Le Conseil a recommandé de façon unanime et solidaire que le gouvernement soutienne les activités du mois de l'enfant. Que la célébration ait lieu sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, le ministère de la Promotion féminine et de l'Enfance est chargé d'élaborer un programme de participation des membres du gouvernement, de faire le point sur les politiques publiques, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, d'engager une concertation avec d'autres ministères sur les besoins en investissement. 2. Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Communication relative au cadre triennal du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Recommandation de décision. Le Conseil a approuvé le programme cadre adossé à un plan triennal. Recommandé de tenir compte des amendements effectués au Conseil interministériel. De recommander que tous les départements ministériels soient associés à l'initiative. Ministère de l'Information et de la Communication. Communication relative à la création d'une chaîne de télévision thématique dédiée à la jeunesse et à l'entrepreneuriat. Recommandation de décision. Le Conseil a approuvé les recommandations sous réserve d'élaborer une note conceptuelle sur l'identité, les objectifs de cette télévision, de définir une grille de programmation bien réfléchie, de déterminer les coûts du projet, d'adresser une lettre d'engagement au ministère de l'Économie, des Finances et une demande à celui de la fonction publique, de mettre un comité interministériel en place chargé de cette question. Zéré Corée, le 26 mai 2022, le Conseil des ministres.